Bonjour Maxence Cordier. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur dans le secteur de l'énergie, chimiste. Vous êtes spécialisé dans le cycle du combustible nucléaire et vous êtes également, vous faites de la pédagogie sur les réseaux sociaux sur tout ce qui est question d'énergie et du climat. Alors, tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Front Populaire pour parler d'énergie. Pour merci commencer, pour votre invitation. Je vous en prie. Pour commencer, première question. Aujourd'hui, dans le cadre de la campagne présidentielle, nous, on commence à voir quelques candidats qui parlent d'énergie. Alors, que penser un petit peu des premières déclarations que l'on a ? Alors, je pense notamment à Marine Le Pen qui explique vouloir raser les éoliennes, tout bonnement, ou Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon qui proposent, à plus longue échéance peut-être, mais globalement, d'en faire de même avec le nucléaire. Est-ce que tout ça est bien sérieux pour parler d'énergie, de climat ? Alors, sans rebondir sur tel ou tel programme spécifique, il y a effectivement un gros problème dans le débat sur l'énergie actuellement, et notamment dans le cadre de l'approche de l'élection présidentielle, qui est que les problèmes qui sous-tendent, qui nécessitent une transition énergétique sont mal compris. Et donc, on assiste à des positionnements comme ça, politiques, sur des moyens qui permettent aux partis de s'opposer les uns aux autres, sans vraiment comprendre les problèmes qu'ils cherchent à résoudre. En fait, si on a besoin de faire une transition énergétique aujourd'hui, c'est pas juste parce que c'est amusant de changer le système énergétique et bon, il était d'une manière, donc on va essayer de le changer pour voir ce que ça fait. En fait, si on a besoin de faire une transition énergétique aujourd'hui, c'est pour répondre à ce qu'on appelle la double contrainte carbone. La première contrainte carbone, c'est le changement climatique, qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre, CO2 en premier, méthane ensuite, qui sont liés essentiellement à l'usage de combustibles fossiles. CO2 du fait de la combustion des combustibles fossiles, et méthane qui est en partie dû aux fuites sur les chaînes d'approvisionnement en charbon, pétrole et gaz. Et donc ça implique de réduire notre consommation de combustibles fossiles. L'autre contrainte carbone, c'est l'épuisement de ces combustibles fossiles. Aujourd'hui, toute notre société repose encore majoritairement sur les combustibles fossiles, 80% au niveau mondial, 60% en France, et encore plus que ça parce que la France apporte énormément de choses qui ont été produites avec des combustibles fossiles à l'étranger. Et donc, notre mode de vie aujourd'hui, le fait qu'on soit ici capable de discuter et pas d'être au champ à produire notre nourriture, le fait qu'il y ait cette table qui soit faite en verre, donc le verre, il faut faire fondre la silice avec des carbonates de calcium avec du gaz, tout ça, en fait, tout ce qu'il y a autour de nous a été produit essentiellement avec des combustibles fossiles. Et donc notre mode de vie actuel dépend fortement des combustibles fossiles. Or, les combustibles fossiles, bien qu'abondants, sont limités. On risque de faire face à des premières contraintes fortes dans la décennie sur le pétrole. Et donc il y a tout un enjeu d'en sortir de façon volontaire par anticipation, pour en sortir de façon organisée, tout en préservant les services que rendent ces combustibles fossiles, avant de devoir subir leur déclin. Et donc, dans ce cas-là, les économies de combustibles fossiles se feraient par de la pauvreté. Donc, l'enjeu, c'est de sortir des combustibles fossiles pour le climat et pour préserver notre mode de vie. Et donc, c'est ça, en fait, qui devrait cadrer le débat politique, et non pas de lutter pour ou contre le peu d'alternatives qu'on a aux combustibles fossiles. Si on utilise encore autant de combustibles fossiles, c'est parce qu'ils présentent des avantages qui sont extrêmement pratiques, qui coûtent peu cher, qu'ils ont un haut taux de retour énergétique, c'est-à-dire que le rendement énergétique entre l'énergie que vous avez besoin d'investir pour récupérer les combustibles fossiles et l'énergie qu'ils vous fournissent est très élevé. Donc tous ces avantages font que ce sont des sources d'énergie extrêmement pratiques. Et donc, si on commence à éliminer le peu de solutions qu'on a pour les remplacer, on n'y arrivera pas. Alors, dans les arguments du camp anti-nucléaire, que je vais résumer à Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste et la France Insoumise, il y a la question des coûts. Alors, sur ce point, c'est intéressant parce que RTE, donc Réseau de Transport Énergétique... D'électricité, merci. Nous dit que faire plus de nucléaire coûtera moins cher. C'est l'un des scénarios qu'ils ont déterminé. En revanche, nous avons Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot qui, ces derniers temps, ne cessent de nous dire que le renouvelable coûte beaucoup moins cher. Alors, dans cette querelle de chiffres, qui a raison ? Alors, les deux, mais en ne parlant pas de la même chose. C'est-à-dire que Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon réfléchissent dans les...
ce qu'on appelle les LCOE, Levelized Cost of Energy, c'est le coût en sortie de centrale, le coût par mégawattheure. Donc à combien va produire votre éolienne, votre centrale nucléaire, votre centrale à gaz. Mais ça, finalement, c'est assez peu intéressant pour le consommateur. Le consommateur n'a que peu à faire du coût en sortie de centrale. Ce qui compte pour lui, c'est le coût du système électrique. Et ça, c'est ce que regarde RTE. L'une des conclusions de leurs travaux Futur énergétique 2050 qu'ils ont publié le mois dernier, c'est qu'on ne peut pas comparer les LCO, enfin, on peut le faire, mais ça présente un intérêt très limité. Ce qui est intéressant, c'est de comparer le coût total de différents systèmes énergétiques autocohérents. Et donc là, pour voir le coût de ces systèmes énergétiques, vous avez besoin de regarder à la fois le coût des moyens de production. Et effectivement, les coûts en sortie de centrale de certaines énergies renouvelables peut être plus faible que le coût en sortie de centrale du nouveau nucléaire. Et donc là, ça rejoint ce que disent messieurs Jadot et Mélenchon. Par contre, il faut aussi ajouter les coûts pour le réseau, parce qu'il faut quand même un réseau pour relier les installations de production et les consommateurs, et les coûts de flexibilité. C'est-à-dire, comment est-ce qu'à tout moment, vous êtes capable de mettre en adéquation l'offre et la demande, qui doivent, sur un réseau électrique, toujours être parfaitement équilibrés. Et donc, si vous avez de l'éolien et du solaire majoritairement, vous allez avoir, par exemple, besoin de moyens de stockage, qui peuvent être via de l'hydrogène. Donc, dans ce cas-là, vous allez devoir convertir de l'électricité en hydrogène, puis en électricité, avec un rendement qui sera d'un peu moins d'une trentaine de pourcents, des infrastructures, des électrolyseurs qui coûtent cher, des infrastructures de stockage de l'hydrogène qui sont compliquées et qui coûtent cher. Vous allez avoir besoin de technologies qui existent pas toutes encore ou qui sont à un niveau assez amont, pour lesquels il reste du développement, et tout ça va coûter très cher. Et donc c'est pour ça que RTE explique que les scénarios avec nucléaire coûtent moins cher, parce que certes, en sortie de centrale, le nucléaire peut coûter un peu plus cher que les énergies renouvelables. Par contre, on économise beaucoup sur les coûts de flexibilité, parce que le nucléaire produisant à la demande, en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir d'autres moyens de stockage quand il n'y a pas de vent et pas de soleil. Alors, sur la question des coûts, il y a aussi la question de l'EPR, l'EPR de Flamanville, la dérive des coûts. Mmh. Qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui, parce que quelque part c'est un argument que met beaucoup en avant M. Mélenchon, qu'est-ce qui nous garantit que demain on n'aura pas cette même dérive des coûts sur les futurs EPR qu'Emmanuel Macron envisage de construire ? Alors, l'EPR de Flamanville, je pense que c'est assez évident que c'est un échec industriel. La France n'avait pas construit de réacteur pendant 20 ans, donc il faut imaginer quand même l'ampleur d'un chantier comme ça. Quand vous avez perdu l'habitude, en termes de gestion de projet, il y a pas mal d'erreurs, voire de fautes qui ont été commises. La France s'est désindustrialisée, donc en termes de capacité industrielle sur des équipements de haute, avec des hauts niveaux d'exigence, les normes pour l'industrie nucléaire sont quand même très hautes, et ça a été l'une des difficultés de l'EPR, c'est qu'il faut que le niveau de qualité soit très haut. Donc il a dû y avoir une remontée en compétences. Et on voit d'ores et déjà l'apprentissage qui a été réalisé à partir de Flamanville sur le chantier d'Hinkley Point au Royaume-Uni. Donc à Hinkley Point au Royaume-Uni, EDF est en train de construire deux EPR. Pour le moment, le chantier se passe bien, avec un petit retard qui est dû au Covid. Bon, ça après, c'est pas lié au nucléaire, c'est lié à la situation mondiale, au Covid, parce qu'ils ont dû ralentir les travaux du fait des confinements. Mais pour l'instant, en tout cas, le chantier se passe plutôt bien. Donc, il y aura un phénomène d'apprentissage. Alors, évidemment, aujourd'hui, on ne peut rien garantir, parce que ça dépendra de comment le projet sera géré, etc. Mais en tout cas, il y a quand même un apprentissage. Les échecs industriels, ça arrive. L'Eurotunnel a ruiné tous les gens qui ont investi dedans. Bon, bah maintenant, l'Eurostar rend quand même énormément de services pour les gens qui veulent aller du Royaume-Uni à la France. Ça fonctionne bien. On n'a pas arrêté de faire des tunnels pour autant. Je pense que quand on plante un projet, il faut apprendre de ses erreurs, il faut comprendre. C'est ce qu'a fait le gouvernement en commandant le rapport à Jean-Martin Folz, qui a été publié il y a un ou deux ans, qui décompose toutes les erreurs, toutes les fautes qui ont été commises par les différents acteurs sur le chantier de Flamanville, pour justement pouvoir en tirer les conclusions et avancer. Et voilà, faut avancer. Dernière question d'un point de vue, on va dire, très politique. L'une des propositions qu'avance l'une des candidates, donc à savoir Marine Le Pen pour le Rassemblement National, c'est la réouverture de Fessenheim. Alors, question peut-être
tout à fait naïve. Est-ce qu'on peut aujourd'hui réouvrir Fessenheim ? Ça dépend de ce que vous appelez pouvoir. Physiquement, ce serait faisable. La centrale est toujours là. De façon réaliste, non. Et là, c'est un non ferme. Parce que, pour plusieurs raisons. Déjà, des raisons réglementaires. C'est-à-dire que le décret d'exploitation a été abrogé. Donc, si on voulait redémarrer Fessenheim, il faudrait un nouveau décret, un décret de mise en service. L'autorité de sûreté demanderait probablement que la centrale ait un niveau de sûreté correspondant à ce qu'on peut attendre d'une centrale neuve aujourd'hui. Donc, un niveau EPR, ce qui n'est pas le cas de Fessenheim, vu que c'est une centrale ancienne. Ensuite, il y a certains équipements qui ont été enlevés pour être envoyés sur d'autres centrales, donc il faudrait les refabriquer et les remettre, ce qui n'est pas impossible, mais ce qui serait plus compliqué. Ensuite, il faudrait que l'exploitant le veuille, vu les incertitudes qu'il y a là-dessus. Fessenheim est devenu un totem pour les antinucléaires, donc même si pendant 5 ans, il y avait un président qui voulait le rouvrir, ce qui n'est pas le cas actuellement, à la place d'EDF, lancer tous les travaux de remise en service de Fessenheim qui prendraient plusieurs années, c'est-à-dire on aurait probablement un redémarrage, encore une fois très hypothétique, en fin du quinquennat de la personne qui passe, pour peut-être après avoir un nouveau président qui voudrait le refermer. En fait, ce serait des risques industriels énormes, donc c'est pas réaliste. D'accord. Alors, le lundi 25 octobre, RTE, donc Réseau de Transport et d'Électricité, a présenté un document qui était très attendu, sa projection de scénario pour le mix énergétique d'ici 2050. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est l'avenir énergétique de la France sur du court terme ? On voit bien qu'on commence à être en tension, on a le prix de l'énergie qui augmente fortement. Est-ce qu'on pourrait potentiellement avoir une balance d'exportation négative ? Importer plus d'électricité qu'on en exporte. Voilà. Quel est l'avenir à court terme de la France d'un point de vue énergétique ? Alors, il y a beaucoup de questions là derrière. Il y a des questions sur le rapport de RTE, il y a les questions sur l'avenir à court terme et il y a les questions sur les exportations. Sur les exportations, en fait, la France est le premier exportateur d'électricité en Europe, ce qui n'empêche pas d'être dépendant de l'importation de temps en temps. Sur l'année, on exporte beaucoup parce qu'on a un parc nucléaire qui produit à faible coût. Donc, dès qu'une centrale nucléaire a un petit peu de disponibilité, elle produit et on exporte. À la différence de la plupart des pays d'à côté qui ont pas mal de centrales fossiles. Et les centrales fossiles ayant des coûts d'exploitation plus élevés, des coûts variables plus élevés, il faut acheter du combustible qui coûte cher et des droits à mettre du CO2 qui coûte cher. Elles produisent quand il n'y a pas d'autres moyens de production qui coûtent moins cher, c'est-à-dire des renouvelables ou du nucléaire qui sont disponibles. Donc c'est pour ça que la France exporte beaucoup. Par contre, en termes de puissance disponible, la France est sans marge. C'est-à-dire qu'on a fermé beaucoup de capacités pilotable, surtout des centrales à fioul et à charbon ces dernières années. Donc aujourd'hui, on est à peine capable de répondre à notre demande de pointe, 19h en hiver et en matinée en hiver. Et donc, à certains moments dans l'année, on est dépendant d'importation. Donc pendant quelques heures et jusqu'à quelques jours de suite, donc pendant on va dire une dizaine ou une vingtaine de jours dans l'année, la France est dépendante d'importation. Donc sur l'année, elle est largement exportatrice. Par contre, pendant quelques dizaines de jours, elle est importatrice et elle en a besoin. À l'avenir, la situation va se tendre au niveau européen parce que aujourd'hui, on a développé beaucoup les interconnexions entre les pays, c'est-à-dire les moyens d'échanger l'électricité entre les différents pays. Ça rend beaucoup de services. C'est-à-dire que s'il y a un déficit de production dans un pays ou une demande qui est particulièrement élevée, les autres peuvent l'aider. Et ça permet aussi d'aller chercher les capacités qui coûtent les moins chères dans d'autres pays et donc de minimiser le coût du système électrique et de minimiser les surcapacités au niveau européen. Donc ça permet de faire des économies. Par contre, encore faut-il qu'il y ait des pays qui soient capables de produire. Et c'est là, en fait, qu'il y a une difficulté, c'est que tous les pays d'Europe de l'Ouest prévoient de fermer des capacités disponibles à la demande, donc centrales fossiles, nucléaires, barrages hydrauliques. Alors, on ne prévoit pas de fermer les barrages hydrauliques, mais ce sont aussi des capacités pilotables. Tous prévoient de s'appuyer de plus en plus sur leurs voisins. Sauf qu'à partir d'un moment, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de produire. Et si tout le monde compte sur les voisins, ça risque de plus passer. Alors vous avez dit on ferme. Pourquoi on ferme? Notamment, j'imagine, pour atteindre le fameux seuil de 50% de mix énergétique produit nucléaire, renouvelable, mix énergétique électrique.
Pourquoi ce 50% finalement? Pourquoi ce 50% qui a été déterminé sous le mandat de François Hollande? Quelle est sa justification? Quelle est sa légitimité? Pourquoi n'a-t-on pas conservé 70%, essayé de faire un mix nucléaire hydraulique? Pourquoi a-t-on imposé ce 50% de renouvelables? Alors là, ma remarque était beaucoup plus large que la France. C'est-à-dire que le Royaume-Uni, par exemple, va devoir fermer 14 réacteurs nucléaires sur 15. Ils en ont déjà fermé un ou deux d'ici 2030 pour des raisons de sûreté, parce qu'ils ont une technologie qui vieillit mal et qui va vraiment arriver en bout de vie. C'est pas une décision politique, c'est vraiment la question de sûreté d'ici 2030. Ils sortent du charbon d'ici 2024. L'Allemagne va sortir du nucléaire d'ici la fin de l'année prochaine, donc ça fait moins de 8 gigawatts à fermer. Elle veut fermer 14 gigawatts de charbon d'ici 2023. L'Italie et l'Espagne vont aussi fermer du fuel et du charbon, donc en fait ça dépasse largement la France. Il n'y a pas que la France. Actuellement, ce qu'a fermé la France jusqu'à présent, c'est surtout du fuel et du charbon et la centrale de Fessenheim. Donc l'idée, ce que je veux dire par là, c'est déjà que la question de la stabilité du réseau européen, c'est pas uniquement un problème français, c'est vraiment un problème européen. Ensuite, pour répondre à la question des 50%, ça c'est un accord politique. Europe Écologie Les Verts reste encore malheureusement arc-boutée sur la question du nucléaire. C'est-à-dire qu'en termes d'énergie, ça reste quand même la priorité pour ce parti de sortir du nucléaire. Donc quand le PS a eu besoin de faire alliance avec Europe Écologie Les Verts pour l'élection de François Hollande, bah, ils ont dû lâcher des choses sur le nucléaire pour pouvoir récupérer Europe Écologie Les Verts. Et ça, c'est écrit en toutes lettres dans l'accord de coalition PS Europe Écologie Les Verts que vous pouvez retrouver sur les sites des deux partis. Et donc, François Hollande s'était engagé à réduire la part du nucléaire, mais vraiment pour une raison d'accord électoral, et à fermer Fessenheim. La fermeture de Fessenheim a été réalisée. Maintenant, sur le reste, les choses sont en train de changer. Je ne suis pas certain, à l'heure actuelle, que les réacteurs dont la fermeture est prévue par la programmation pluriannuelle de l'énergie, en application de la loi de transition écologique pour la croissance verte qui avait été votée par Ségolène Royal sous le quinquennat Hollande, soit effective, parce qu'on va faire face à un déficit de capacité pilotable. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la part du nucléaire dans le bouquet électrique va de toute façon diminuer, parce qu'on a pris beaucoup de retard dans le renouvellement du parc, et que les réacteurs vont quand même arriver à un moment en bout de vie, et donc il va y avoir une grande question sur nos capacités à reconstruire rapidement des réacteurs, à quelle vitesse il va falloir arrêter les réacteurs du parc actuel. Donc il y a pas mal de questions qui vont jouer, mais il est quand même fortement probable, va-t-on dire, que la part de l'énergie nucléaire dans le bouquet électrique français diminue pour ces raisons-là. Et sur le renouvelable, donc le renouvelable, alors j'ai une question assez naïve là encore, hein, mais je vais quand même la poser. Est-ce que la France est armée d'un point de vue climat pour utiliser le renouvelable? J'ai envie juste de poser la question, je vais la reformuler un peu différemment. Est-ce que on a mesuré le taux d'ensoleillement de la France, la puissance du vent? Vous voyez, ce genre d'indicateurs qui permettent de nous dire est-ce que 50% de renouvelables, c'est viable? Est-ce qu'on est capable de produire 50% d'énergie électrique renouvelable? Alors déjà, l'une des conclusions, jusqu'à présent on n'a pas parlé du rapport de RTE, l'une des conclusions du rapport de RTE, c'est qu'il ne faut pas penser en pourcentage. En fait, il faut plutôt penser en termes de trajectoire, de filière industrielle, et pour avoir des bouquets qui permettent d'avoir une adéquation offre-demande tout en respectant la neutralité carbone. Mais qu'on ait 40, 50 ou 60% de telle filière, finalement, peu importe. Pour répondre à votre question, déjà, renouvelable, il y a beaucoup de choses derrière. Il y a l'éolien, il y a l'éolien en mer, il y a le solaire photovoltaïque, il y a les pompes à chaleur, il y a le biogaz, il y a des énergies renouvelables électriques, d'autres qui sont thermiques, donc il y a quand même vraiment beaucoup de choses. RTE a fait plusieurs scénarios avec plus ou moins d'énergie renouvelable. Alors vous avez des scénarios à forte part d'énergie renouvelable où là vous avez des trajectoires de déploiement extrêmement fortes et ambitieuses que personnellement je qualifierais d'assez peu réalistes, mais ils ont étudié ces scénarios et ça permet de voir à quelles conditions ça pourrait être envisageable, au moins sur le papier. Et même dans les scénarios avec beaucoup de nucléaire, en fait, il va falloir déployer les renouvelables. Après,
pour toutes ces filières-là, il y a des questions qui vont se poser, à la fois industrielles. Est-ce que les filières vont être capables d'installer suffisamment rapidement, c'est valable pour le nucléaire, mais pour les renouvelables aussi, suffisamment rapidement de nouvelles capacités. Il va y avoir des questions d'acceptabilité aussi. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus avec l'éolien, avec une opposition qui au départ était locale, qui malheureusement commence à se structurer à l'échelon national et qui, d'une opposition à certains projets, commence à devenir une opposition aux technologies, ce qui est quelque chose qu'on a si bien connu dans le nucléaire, avec des oppositions fortes à la technologie, aux technologies nucléaires. Donc, il y a des trajectoires. Le potentiel physique, oui, il a été évalué. Après, est-ce qu'on arrivera à suivre les trajectoires? Il y a des gros points d'interrogation dans tous les sens. En fait, dans tous les scénarios de RTE, tous les scénarios vont être extrêmement difficile à suivre. En fait, toutes les trajectoires qui composent ces scénarios, que ce soit en termes de déploiement du solaire photovoltaïque, de l'éolien terre, de l'éolien en mer, du nucléaire, de la prolongation des réacteurs au-delà de 60 ans, il y a beaucoup de questions derrière. Et je pense que l'une des conclusions qu'il faut retenir de ces scénarios, c'est qu'il va falloir réussir à se redonner des marges. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs trajectoires qui peuvent déraper, c'est tout à fait envisageable, que ce soit sur le nucléaire, sur les renouvelables, sur les progrès d'efficacité énergétique. Donc il va falloir nous redonner des marges pour ne pas planter notre transition si on n'arrive pas à suivre certaines trajectoires. Donc ça peut être faire des progrès de sobriété, je sais pas, alléger les véhicules par exemple pour utiliser moins d'électricité dans les véhicules électriques, ça peut être aussi avec les SMR, les petits réacteurs nucléaires modulaires, qui sont plutôt envisagé actuellement pour de l'export, mais si il y a un déficit sur l'éolien ou sur le gros nucléaire, donc les EPR, bah, c'est une autre filière industrielle qui pourra venir compléter. Donc en fait, il va falloir trouver différents moyens comme ça de se redonner des marges. Alors, vous parliez de sobriété tout à l'heure. Justement, RTE met en avant aujourd'hui une production à 1600 TWh. Terawatt, oui, c'était ce que j'avais noté. Alors ça, c'est pour l'énergie finale, pas que l'électricité. Finale. Énergie fossile incluse. Voilà. Tout à fait. Donc aussi le carburant dans les véhicules, le gaz de chauffage, etc. Et donc justement, ces fameuses énergies fossiles qui gonflent énormément la note, si je puis m'exprimer ainsi, passeraient donc de 1600 à 900 TWh en 30 ans, avec une diminution totale des énergies fossiles. Est-ce que c'est réalisable ? Alors il faut voir que là, c'est pas, on parle pas de sobriété, hein, on parle vraiment d'efficacité. Si vous remplacez un moteur thermique dans une voiture qui va avoir un rendement d'une trentaine de pourcents par un moteur électrique à un rendement de environ 90%, bah en fait vous faites un énorme progrès d'efficacité énergétique. Et donc la réduction de 40% de l'énergie finale. L'énergie finale, c'est l'énergie déjà transformée qui passe par un compteur, donc le carburant que vous achetez à la pompe, l'électricité, le gaz qui arrive dans votre chaudière, etc. Cette économie, c'est de l'économie d'efficacité. Parce que dans la situation de départ, vous alliez faire votre plein à la pompe à essence, et après votre moteur exploitait à peu près 30% de l'énergie contenue dans le carburant que vous utilisiez. Si vous passez un véhicule électrique, vraiment même performance, tout pareil, bah, vu qu'il va en utiliser 90%, vous allez consommer moins d'énergie. Vous aurez fait aucun effort, vous consommerez moins d'énergie juste par de l'efficacité. Donc ce progrès de 40%, cette économie de 40% sur l'énergie finale, c'est de l'efficacité due à l'électrification, en bonne partie. Et donc ça tire une deuxième conclusion, c'est que pour décarboner, on va réduire la consommation d'énergie finale en faisant des progrès d'efficacité via notamment l'électrification. Et en parallèle, ça veut dire aussi que la consommation d'électricité va augmenter pour servir tous les usages qui actuellement sont servis par des combustibles fossiles dans la mobilité, dans le chauffage et aussi dans l'industrie. Alors, toujours pareil, toujours en citant RTE, donc ils alertent à un moment dans le rapport, ils alertent sur les matières premières. Parce qu'on a des scénarios très ambitieux, vous le dites, que ce soit aussi bien de construction de centrales que de développement du renouvelable. Est-ce que la planète, dans un horizon court, peut, entre guillemets, fournir la matière première nécessaire à cette transition écologique ? Ce sont des questions qui sont extrêmement complexes et qui sont, à mon sens, largement sous-étudiées. Alors, il y a des travaux, mais pas dans l'ampleur qui serait requise par l'importance de ces sujets-là. Électrifier des usages, ça va nécessiter de consommer beaucoup plus de métaux.
Typiquement, si vous passez d'une voiture thermique à une voiture électrique, vous multipliez par 4 la consommation de cuivre de votre véhicule, vous passez à peu près de 20 kg à 80 kg à peu près. La batterie va consommer aussi énormément de métaux, du lithium, du cobalt, du nickel. Et pour des raisons différentes selon tous les métaux, vous pouvez avoir des tensions. Soit des tensions qui vont être liées aux réserves de ces métaux. Par exemple, sur le cuivre, à horizon d'une vingtaine, d'une trentaine d'années, il y a des incertitudes sur la disponibilité de la matière. Il y a d'autres métaux pour lesquels les réserves sont suffisamment abondantes pour, a priori, à horizon visible, ne pas poser de problème. Je pense notamment au lithium, mais qui pourront poser problème du fait d'un sous-investissement dans l'extraction. L'industrie minière, c'est une industrie du temps long. Si vous avez bien fait votre exploration, vous savez où est le minerai, il faut quand même une dizaine d'années pour ouvrir une mine, la mettre en exploitation. Et donc, à partir du moment où vous dites « je vais avoir un besoin », entre le moment où vous dites « je vais avoir un besoin » et le moment où vous pouvez sortir du minerai de votre mine, il peut se passer 10 ans. Or, là, la consommation de lithium est en train d'exploser et les trajectoires de consommation en fin de décennie sont significativement supérieures aux trajectoires d'offres parce qu'on n'investit pas suffisamment dans l'amont et ce n'est pas en 2026-2027 quand on va commencer à se rendre compte qu'il y a un déséquilibre qu'il va falloir investir parce qu'il sera déjà trop tard et on aura un déséquilibre un petit peu qui va se maintenir pendant plusieurs années. Donc en fait, sur tous ces métaux-là, pour des raisons géologiques, pour des raisons de sous-investissement, pour des raisons géopolitiques aussi, cobalt par exemple, les extractions de cobalt sont fortement concentrées dans un seul pays, le Congo, donc... Congo ou Gabon, j'ai un doute. Il peut y avoir des tensions sur les métaux. Et ça peut contraindre nos trajectoires d'électrification. Autre sujet soulevé par RTE, mais qui est un sujet de façon globale, vous l'avez déjà en plus évoqué tout à l'heure, c'est le stockage de l'énergie. Est-ce que finalement le scénario 100% renouvelable, qui est encore une fois avancé par certains candidats à la présidentielle, se base pas sur un énorme saut dans l'inconnu aujourd'hui? Parce que est-ce qu'on est capable de faire du 100% renouvelable avec nos capacités de stockage actuelles, nos connaissances actuelles? La réponse rapide, c'est oui. C'est d'ailleurs précisé assez clairement dans le rapport de RTE, c'est que les scénarios à forte part d'énergie renouvelable s'appuient, pour citer RTE, sur des paris technologiques lourds. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des technologies de stockage, notamment, qui ne sont pas encore démontrées à grande échelle, qui coûteront très cher et dont on n'est pas sûr qu'elles arriveront à se mettre en place. Et c'est d'ailleurs tout le risque. Par exemple, l'Allemagne prévoit là, de construire énormément de centrales à gaz pour pouvoir remplacer ses centrales nucléaires et une partie de ses centrales à charbon. Au départ, elles fonctionneront avec du gaz fossile et l'Allemagne promet que plus tard, ces centrales qui seront compatibles avec de l'hydrogène fonctionneront avec de l'hydrogène renouvelable. Sauf que si elles n'arrivent pas à se fournir et à produire suffisamment d'hydrogène renouvelable, et à mon sens, il est très probable que ce soit jamais le cas, elle continuera à être dépendante des combustibles fossiles. Donc c'est faire le choix de conserver une dépendance aux combustibles fossiles en se disant que peut-être plus tard on aura des moyens de s'en passer. Pour moi, c'est un pari particulièrement lourd. Alors aujourd'hui, d'un point de vue européen, on a le gaz et le nucléaire qui sont probablement partis pour être inclus dans la taxonomie européenne. Tel que les choses ont l'air d'être parties. Vous m'arrêtez si j'ai une erreur. Alors, est-ce que ce marché qui serait issu d'un accord franco-allemand sur j'accepte le gaz en contrepartie, j'ai le droit au nucléaire, est-ce que ça ne repose pas sur une sorte de marché du dupe? Est-ce que ça ne matérialise pas l'incapacité du nucléaire à faire consensus en tant qu'énergie décarbonée? Alors la taxonomie, je pense qu'on devrait avoir des informations très très prochainement. Si ça se trouve, c'est peut-être en train de tomber. Donc pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a des grosses incertitudes. En fait, la Commission européenne freine des quatre fers pour inclure le nucléaire. Il y a plusieurs commissaires à la... Ursula von der Leyen avait quand même, plus ou moins admis. Ce sont des paroles. En fait, il y a plusieurs commissaires très puissants au sein de la Commission qui sont
de façon assez radicalement opposés au nucléaire. Je pense notamment à Frans Timmermans, à Valdis Dombrovskis, et qui font tout pour bloquer le nucléaire depuis le début des débats sur la taxonomie. Au fur et à mesure que le temps a avancé, il y a un certain nombre d'États qui ont pris conscience du fait que la Commission ne jouait pas vraiment un rôle neutre sur ce sujet-là, qui devait être un sujet taxonomie, ça devait être un sujet technique, et que la Commission sortait un peu de son rôle. Donc il y a une pression qui s'est accrue de la part des États membres, et la Commission a dû donner des gages. Donc Ursula von der Leyen a fait des déclarations, etc. Après, qu'est-ce qui va sortir concrètement? Qu'est-ce que la Commission va proposer? À mon sens, il est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Pour l'instant, la Commission n'a quand même vraiment pas montré de volonté de gérer ce dossier-là, on va dire, avec une honnêteté incontestable. Donc je pense qu'on saura ce qui va se passer pour le nucléaire, pour le gaz, pour l'industrie manufacturière et pour l'agriculture, qui sont quatre domaines qui n'ont pas encore été traités et dont on attend les critères d'inclusion ou d'exclusion par la taxonomie. Je pense qu'il faut vraiment attendre de voir le texte de la Commission pour savoir ce qu'il y a dedans. Et comment vous expliquez, donc c'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire que le nucléaire a une très mauvaise image, alors que ça pourrait être un outil, factuellement, en termes d'émissions carbone, de lutte contre le dérèglement climatique. Comment vous expliquez que, par exemple, il y avait un sondage, je n'ai plus l'institut de sondage en tête, qui récemment disait que 55% des jeunes pensaient que le nucléaire contribuait autant que le gaz et le charbon au réchauffement climatique. Comment vous expliquez que cette image perdure ? Alors, au niveau européen et même au niveau français, le nucléaire n'a pas forcément une très mauvaise image. Ça dépend beaucoup des pays. Il y a de nombreux pays européens qui prévoient de développer l'énergie nucléaire, même des pays qui étaient plutôt réticents il y a encore quelques années, je pense notamment aux Pays-Bas. Après, il y a un noyau dur de pays très anti-nucléaires, l'Autriche, l'Allemagne et le Luxembourg, pour des raisons diverses et variées. L'Allemagne fait un lobbying extrêmement fort contre le nucléaire au niveau européen, que j'interprète personnellement par la réalisation par le gouvernement du cul-de-sac dans lequel ils vont. Il y a encore quelques années, l'Allemagne était anti-nucléaire chez elle, mais elle laissait à peu près les autres faire ce qu'ils voulaient. Là, elle se rend compte que sa trajectoire l'emmène dans le mur, que ça va lui coûter très cher, que ses émissions de gaz à effet de serre risquent de repartir à la hausse, et elle ne veut pas être la seule à en payer le prix. Donc elle aimerait bien pouvoir empêcher les autres de faire du nucléaire pour pouvoir garder ses avantages compétitifs par rapport à ses pays voisins. Donc il y a aussi ce jeu-là qui entre en compte. Après, si on s'intéresse plus à la population, je pense que il y a une grosse désinformation en fait autour de l'énergie nucléaire. Alors, il y a un manque de culture scientifique et il y a une grosse désinformation de la part de pas mal d'acteurs, que ce soit des acteurs politiques, même des ONG. Il y a quelques mois, j'avais assisté à une conférence anti-nucléaire organisée par le Nuclear Transparency Watch, où il y avait le directeur de Climate Action Network Europe. Normalement, c'est une ONG qui est censée lutter pour le climat, qui disait que le nucléaire n'était pas bas carbone, alors que tous les rapports montrent, toutes les études montrent que ça l'est. Il suffit de lire le cinquième rapport du GIEC, publié en 2014. Donc vous allez dans le rapport du troisième groupe de travail, page 1335, c'est écrit en toutes lettres. Le nucléaire est une énergie qui émet à peu près autant de gaz à effet de serre que les énergies renouvelables, que sont l'éolien, le solaire photovoltaïque. Mais vous avez des ONG comme ça qui sont culturellement contre le nucléaire et qui adaptent leur argumentaire, quitte à ce qu'il soit faux, pour lutter contre le nucléaire. Et donc, quand vous avez des gens qui ne connaissent pas le sujet, qui entendent des ONG qui disent certaines choses comme ça, vous savez pas bien. Et puis en plus, y a des choses, par exemple, les tours aéro-réfrigérantes, les grosses tours cintrées, émettent de la vapeur d'eau, sont pas des cheminées, sont des tours aéro-réfrigérantes. Par évaporation de l'eau, vous refroidissez l'eau qui servira à refroidir la centrale. Beaucoup de gens qui pensent que c'est de la fumée. Et donc, vous dites, si ça émet de la fumée, dans ce cas-là, ça doit émettre du CO2 ou du méthane, ça contribue au changement climatique. Donc, il y a un déficit de connaissances scientifiques et il y a une grosse désinformation de la part de certains partis, de certains partis politiques, de certaines ONG et de certains acteurs.
Mais c'est pareil sur les renouvelables, hein. Il y a aussi énormément de désinformation sur l'éolien, notamment. Et objectivement, alors d'un point de vue, et vous avez évoqué le rapport du GIEC justement, est-ce que la planète peut se passer de nucléaire pour atteindre le Graal de la neutralité carbone ? Parce que s'il faut arriver à la neutralité carbone, est-ce qu'on pourra se passer du nucléaire ? Est-ce qu'un monde sans nucléaire est envisageable ? Sur le papier, tout est envisageable, même un monde qui se passerait complètement d'énergie, mais dans ce cas-là, ça impliquerait que les gens produisent directement ce qu'ils mangent, etc. Enfin, sur le papier, tout est envisageable. Après, ça dépend de ce que la population est prête à accepter en termes économiques, en termes sociaux, etc. D'un point de vue réaliste, à mon sens, absolument pas. Et là, je voudrais être catégorique là-dessus. L'énergie nucléaire, c'est la deuxième énergie bas carbone au niveau mondial derrière l'hydroélectricité. C'est la première énergie bas carbone en Europe et c'est la première énergie bas carbone en France. L'énergie nucléaire, c'est l'une des rares sources d'énergie bas carbone qui soit disponible à la demande aussi avec l'hydroélectricité. Donc elle aura un rôle majeur à jouer dans la décarbonation. Ça minimise pas du tout le rôle que l'éolien et le solaire photovoltaïque vont devoir jouer, qui sont pour chacun plus ou moins pertinents selon le territoire. Par exemple, le Royaume-Uni a un énorme potentiel éolien en mer que n'a pas la République tchèque parce qu'elle n'a pas de rive maritime. Donc en fait, les bouquets électriques et énergétiques devront être adaptés évidemment à chaque territoire. Mais le nucléaire a un rôle à jouer. Et même avec le nucléaire, en fait, atteindre la neutralité carbone au niveau mondial va être extrêmement difficile. Encore une fois, actuellement, on consomme 80% de combustibles fossiles. L'énergie qui a le plus augmenté en termes de consommation entre 2000 et 2010, c'est le charbon, propulsé par la croissance de la Chine. Celle qui augmente le plus depuis 2010, c'est le gaz fossile, propulsé par la croissance de l'Asie. Ce ne sont pas les énergies renouvelables, ce n'est pas le nucléaire. Donc, ce qui augmente le plus encore aujourd'hui sont les combustibles fossiles. Donc, on n'en est même pas encore à avoir stabilisé la consommation de combustibles fossiles. Ils continuent à augmenter et c'est ce qui augmente le plus. Donc là, il va y avoir des efforts majeurs à faire en termes de sobriété, surtout dans les pays développés, les pays riches, et de développement des énergies bas carbone, de toutes les énergies bas carbone. On n'a plus le luxe de faire de la fine bouche en disant j'aime bien celle-ci, j'aime pas celle-là. Et même comme ça, ça va être très complexe. D'accord. Dernière question, c'est juste pour avoir un état des lieux un petit peu de là où nous en sommes. Alors, où en sommes-nous justement sur la recherche du nucléaire ? Quelles sont les innovations marquantes dans un futur proche qu'on pourrait attendre ? Je pense notamment au programme Astrid qui a été annulé, mais est-ce qu'il pourrait être repris ? Est-ce que cette technologie, ce projet de recherche était sur le point d'aboutir ? Où en était-il ? Voilà. Quel est l'avenir du nucléaire ? Alors, avant de parler de quatrième génération, ce qui était le sujet Astrid, il y a d'autres innovations, alors qui sont peut-être un peu moins flamboyantes, mais qui, à mon sens, ont un rôle majeur à jouer à l'avenir, qui sont aussi des innovations d'usage. Et c'est l'une des choses qu'on recherche derrière les SMR, c'est notamment la cogénération. Jusqu'à présent, l'énergie nucléaire servait essentiellement à faire de l'électricité. Or, on se rend compte de plus en plus que si on veut atteindre la neutralité carbone, l'électricité ne va pas suffire. On a aussi besoin de chaleur, à la fois pour chauffer des villes via des réseaux de chaleur urbains, pour fournir à l'industrie. La papeterie, par exemple, a besoin de beaucoup de chaleur. Il y a plein d'industries en fait, qui ont des besoins importants de chaleur que le nucléaire peut fournir avec différentes technologies de réacteurs. Il y a des zones qui vont avoir besoin d'eau. Et donc ça, le nucléaire peut fournir aussi de l'énergie pour faire du dessalement d'eau de mer. Et pour produire de l'hydrogène. Si vous voulez produire de l'hydrogène, notamment avec de l'électrolyse à haute température, vous pourrez avoir des bien meilleurs rendements. Et ça nécessite de la chaleur et de l'électricité. Et un réacteur nucléaire peut fournir les deux. Donc, à mon sens, l'une des innovations qu'on peut attendre à relativement court terme, c'est-à-dire à un terme de quelques années ou de la décennie, ça va être de mieux utiliser les réacteurs nucléaires et d'adapter les concepts pour qu'ils puissent fournir plus de services, et notamment en termes de cogénération. Et ça, il y a des pays qui sont très intéressés par ça. La Finlande est surtout intéressée par le nucléaire actuellement pour faire du chauffage urbain. Et donc, il va falloir répondre à, ce, à,
à ce genre de demandes de pays froids qui ont des besoins importants de chauffage. Et là, vous pouvez remplacer des centrales à charbon ou à biomasse qui servent à faire du chauffage par des petits réacteurs. Et là, vous n'allez pas mettre un EPR qui est un énorme réacteur pour faire du chauffage urbain. Ce serait complètement surdimensionné. Donc, il va falloir diversifier l'offre de réacteurs avec différentes tailles pour répondre à des besoins différents et des besoins qui eux-mêmes ne seront pas que de l'électricité. Et à un petit peu plus long terme, en fait, il y a d'autres concepts auxquels on peut penser. Ce sont les concepts de quatrième génération dont vous avez parlé, dont Astrid est un prototype sur lequel la France a travaillé jusqu'à il y a peu, qui, eux, présentent d'autres intérêts. Ça permet d'atteindre des températures plus élevées qui seront plus adaptées à l'industrie. C'est-à-dire qu'avec des réacteurs tels ceux qu'on exploite actuellement, les réacteurs à eau légère, comme on les appelle, c'est bien pour faire de la chaleur urbaine. Pour l'industrie, ça sera peut-être insuffisant pour certaines industries. Les réacteurs à neutrons rapides peuvent permettre d'atteindre des températures plus élevées qui peuvent être plus adaptées pour certains usages. Ça peut permettre aussi de mieux gérer la ressource en uranium parce que actuellement on consomme un peu moins de 1% de l'uranium qu'on extrait. En gros, vous avez deux types d'uranium dans ce qu'on extrait. 0,7% d'uranium qui nous est utile, c'est l'uranium 235, et 99,3% d'uranium qui nous est pas utile. Donc on l'a enrichi. D'un côté vous avez de l'uranium appauvri, de l'autre côté vous avez de l'uranium enrichi avec 5% d'uranium utile et 95% d'uranium inutile, ce que vous mettez ça en réacteur. Et on a constitué comme ça des stocks d'uranium appauvri qui pour l'instant nous servent assez peu. Par contre, avec des réacteurs de quatrième génération qui peuvent utiliser sans problème cet uranium appauvri, là rien qu'avec les stocks qu'on a quasiment sur étagère en France, on pourrait tenir à niveau de consommation actuel plus d'un millier d'années. Donc ce sont des technologies qui nous permettent de bien mieux consommer l'uranium, qui permettent de consommer aussi le plutonium produit par les réacteurs. Et en ça permettrait à terme de réduire nos importations d'uranium, voire un horizon assez éloigné de s'en passer. Donc si à horizon de plusieurs décennies, il y avait des tensions sur le marché de l'uranium, pas forcément des tensions liées aux réserves, mais aussi des tensions de flux parce que la demande explose, parce que pareil, d'un point de vue logistique, en termes d'extraction ou de traitement, d'enrichissement, etc., du minerai, il peut y avoir des tensions, ce sont des technologies qui sont intéressantes. Donc il y a un certain nombre de pays qui avancent assez rapidement là-dessus actuellement. Vous avez les États-Unis, la Russie qui est très dynamique dans le domaine, la Chine aussi, l'Inde. Donc voilà, ça fait partie des perspectives. Parfait. Eh bien, merci d'avoir répondu à notre invitation, Maxence Cordier. Merci à vous pour cette invitation.